Bonsoir, bienvenue dans ma chaîne Sylvie MB Glam Officielle. La chaîne tout simplement qui vous fait savoir tout, qui vous parle de tout, qui vous révèle tout, tout simplement. Alors j'ai vu une vidéo tout simplement que je vais vous présenter d'ici quelques minutes tout simplement. Une influenceuse donc qui s'appelle Lena, qui vous évoque tout simplement son agression en 2020, qui vous dit, explique clairement les faits, qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment elle a été agressée en 2020. C'est une vidéo qui m'a beaucoup touchée et j'ai décidé tout simplement de vous la montrer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à partager tout simplement, à poser des questions si vous avez des questions à poser. Je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis bonne soirée. À très bientôt. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale parce que je vous avoue, je sais même pas comment présenter les choses. Depuis tout à l'heure, je fais une intro, je sais même pas quoi dire. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose qui m'a. Je suis ultra gênée, ça va pas le faire du tout. Je sais même pas comment. Je suis désolée si j'ai plein de mimiques ou je suis bizarre dans la vidéo, mais ça me. Je sais pas, ça me fait bizarre. Mais bon, faut prendre son courage à deux mains. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé le 6 juillet 2020. Je vous avoue que j'avais pas vraiment prévu de faire cette vidéo, mais en même temps, je me suis dit que ça serait trop bien que j'en fasse une parce que je pense que ça peut peut-être aider du monde ou je sais pas. Et puis même en fait ça me fait du bien parce que c'est quand même quelque chose qui m'a traumatisée et qui a complètement changé mon quotidien. Et étant donné qu'on est de plus en plus sur la chaîne, presque 100 000, bah je trouvais ça plutôt en fait logique que je vous explique ce qui s'était passé parce que vous me voyez deux fois par semaine dans des vidéos où je fais plein de trucs rigolos, mais il y a quand même des choses qui sont importantes. Mes phrases n'ont pas de sens, je sais plus ce que je dis. Bon, je vais vous raconter ça. Le 6 juillet, je prends mon petit train pour aller à Paris. Donc moi j'habite à Versailles, pour aller à Paris, il faut prendre, il y a plusieurs trains, mais entre autres je prenais le RERC jusqu'à Javel, donc pour rejoindre donc le 15e. Et ce jour-là, je rejoignais deux copines de Cannes que j'avais pas vues depuis des mois, voire même des années. Donc j'étais trop contente parce qu'elles étaient à Paris et en fait il y avait le père d'une de ses copines qui était en voiture. Donc je me suis arrêtée à Javel et ils m'ont récupéré en voiture pour nous amener un petit peu plus loin, donc il nous amenait dans le marais. Je suis désolée s'il y a des changements de lumière, le soleil vient et part. Donc j'étais dans la voiture avec mes deux copines et le père d'une de mes copines. Donc voilà, on passe notre journée. Pendant la journée, je leur dis, parce que je sais qu'elles n'ont pas forcément l'habitude, mais c'est vrai qu'à Paris, bah, il y a plein de vols, il se passe plein de choses, comme partout en France. Mais voilà, à Paris, c'est quand même connu pour les pickpockets, on est bien d'accord. Et donc à cette période-là, je crois que les masques n'étaient pas obligatoires. Les masques n'étaient pas encore obligatoires partout, mais ils étaient obligatoires dans les transports par contre à ce moment-là pour vous situer. Donc on va au restaurant etc. et j'en vois une qui pose son sac sur la chaise mais genre en pleine rue, on était en terrasse quoi. Je lui dis franchement évite parce que tu vas te le faire voler. Enfin vous voyez ce genre de journée où t'essayes de prendre soin des autres et de les prévenir que Paris c'est pas les bisounours. C'est ce qui s'était passé. Et donc ensuite on continue notre journée etc. On va dans un restaurant italien que j'adore dans le 16e, Il Farniente. Pour celles qui regardent mes vidéos vous savez que j'aime beaucoup. Et donc on mange, etc. On dîne et puis ensuite il est environ. Quelle heure il était? Il était. Il faudrait que je regarde sur la plainte, mais il devait être 20h45 maximum. Donc en sachant qu'on est en juillet, il fait encore super beau jour, il y a encore plein de monde dans les rues, surtout que les restaurants, etc. étaient ouverts. Et donc on finit de dîner. Il y avait le père de ma fameuse copine qui allait venir les chercher. Et moi je me suis dit, bon, soit je rentre en Uber, soit je rentre en transport, en sachant que moi j'ai toujours Jérémy qui me dit de prendre un Uber parce que bah il a forcément peur pour moi ou qu'il vient de me chercher. Et moi je lui avais dit non, franchement, il fait super beau, j'arrête pas de dépenser mon argent, je vais prendre le train et je vais faire ma vie. Enfin, et voilà, c'est pas très loin, je crois que c'est 20 minutes de train. Il était 20h45 en plein jour, parce qu'en plein hiver 20h45 c'est pas la même chose, mais là en plein jour en juillet avec la bonne ambiance, voilà. Donc je mets mes écouteurs et là je me dis ok, je m'en vais. Donc je leur dis au revoir et là genre vraiment au bout de cette rue je croise une voiture. C'est juste pour vous expliquer à quel point c'est ouf. Je croise une voiture et à l'intérieur il y a quelqu'un qui me dit qu'est-ce qu'il me dit d'ailleurs, je me rappelle même plus, un truc genre vous allez où comme ça, en rigolant un peu. Et donc moi j'enlève mes écouteurs, mes AirPods, je le regarde et je dis mais un truc du genre ça vous regarde pas, enfin un truc archi méchant, vraiment archi méchant. Et en fait faut savoir un truc, c'est que je suis pas quelqu'un qui a extrêmement peur des transports en commun, qui a peur de prendre des Uber le soir. Voilà, j'ai fait des trucs où je rentrais en Uber à 4h du matin après une boîte, enfin
J'étais pas non plus la plus peureuse de la terre. Disons que j'avais l'habitude de Paris, parce que bah, j'ai toujours pris les transports. Donc, j'étais pas la plus peureuse de la terre. Mais en revanche, ce qui se passait, c'est que j'étais quand même très vigilante. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je suis toute seule, tu peux, limite, c'est bizarre. Mais si tu viens me parler, je peux réagir bizarrement. Sauf si c'est une abonnée, bien sûr, parce que je vous vois, je vous reconnais. Mais n'importe qui. Je peux être très froide et très, limite, méchante. Parce qu'en fait, je deviens un mur, quoi. Je fais attention à moi, quoi. Je me protège comme ça. Et on en reparlera après, mais je pense que 100% des filles comprennent ce que je dis. Il me parle et donc il me dit on se connaît, hein? Et je dis et alors? Enfin, je sais pas, un truc archi méchant. Et il me dit mais je suis le père de ma copine. Et là, je me dis mais c'est pas possible. Et donc, je m'excuse, j'ai été au fond du trou, j'étais trop mal. Et pourtant, bah, je l'avais vu. Mais en fait, c'est juste pour vous dire à quel point je rentre dans une bulle quand je suis seule et personne ne peut rentrer dedans. Et donc, je lui ai répondu, je suis désolée, il y a vraiment des fous partout dans ce monde. Donc, je lui ai dit, genre, je suis un mur, je suis vraiment désolée. Une fois que je suis toute seule, je suis comme ça. Et voilà, il y a vraiment des fous dans ce monde. Donc, je lui dis ça. Il me dit, pas de problème, non, non, j'ai dit au revoir, je continue ma route. Donc, je marche de Il Farniente jusqu'à Javel, là où je voulais prendre mon train. Et donc, je marche et je me retrouve, vous savez, pour ceux qui connaissent, un peu avant le pont de Javel, bah dans la rue, je crois que c'est l'avenue de Versailles d'ailleurs qu'elle s'appelle, et je me retrouve là avant de tourner au pont de Javel et je vois deux mecs derrière moi, un peu chelou, on va pas se mentir, assez jeune, mais chelou, assez jeune dans le sens peut-être 25 ans, 30 ans max, mais c'est ce que j'ai dit au moins 150 fois quand j'ai raconté cette histoire. Faut savoir un truc, c'est que nous les filles, je le sais parce que je le sais, c'est pour tout le monde pareil, pour toutes les filles pareil, quand on a des mecs bizarres derrière nous, en fait, ce que les hommes ont du mal à comprendre, c'est que nous, c'est tous les jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas un mec qui mate pas, et c'est pas pour faire genre, ouais, les mecs qui matent, vous croyez que ça me plaît? Je pense pas, et je pense que vous non plus, ça vous plaît pas de vous faire mater par des vieux mecs qui ont 70 piges, qui vous regardent de la tête, enfin, de la tête aux pieds, c'est. Voilà, bref. Donc, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un mec qui mate, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un mec qui vient me parler, il n'y a pas un jour où c'est tout le temps pareil. Et surtout à Paris, mais mon Dieu, à Paris, c'est ça, mais ça arrive, mais 10 fois dans la journée minimum, c'est tout le temps. C'est-à-dire, c'est tout le temps présent. Des mecs qui te suivent sans raison, au bout d'un moment, ils lâchent. C'est tout le temps pareil, c'est tout le temps pareil. Donc moi, j'ai vu deux mecs bizarres derrière moi, je me suis dit, je vais pas m'empêcher de vivre. Et justement, je me souviens que ce jour-là, je me disais, pour une fois, on dit, c'est bon, là, t'as passé une bonne journée, te prends pas la tête avec des mecs comme ça, deviens pas parano et tout, ils vont pas te gâcher la vie, donc, enfin, voilà. Te pose pas trop de questions. Donc j'avais mon sac en bandoulière, j'avais mon téléphone dans ma main, mes écouteurs, donc voilà, j'écoutais un petit set de Tomorrowland. Et donc je marche sur le pont de Javel, ils sont toujours derrière moi, et donc je descends, je rentre dans la gare, je passe mon passe, nanani nanana, je descends sur le quai, et le train, en fait, arrivait vraiment au moment où je suis descendue sur le quai. Donc quand je descends sur le quai, je vois qu'en fait, ils descendent sur le même quai que moi, je me dis, merde, bon là, je vais faire gaffe. Donc je me dis, ok, je vais rentrer dans le premier wagon, comme ça, s'ils rentrent dans le même wagon que moi, bah ça veut dire qu'ils sont là pour moi, entre guillemets. Quoi. Et s'ils le font pas, c'est que c'était totalement du hasard ou que juste c'était des mecs chelous et fin de l'histoire. Donc je rentre dans le premier wagon, direct dès que le train arrive, hop, donc eux ils étaient derrière en train de marcher. Donc en fait vraiment entre là, ça c'est le train, ça c'est moi, vraiment ça s'est fait comme ça. Il s'est arrêté et hop, je suis montée, ils étaient juste derrière. Et donc je monte dans le premier wagon, je vais en bas, pas à l'étage. Je m'assois vraiment au milieu du wagon, sur les rangées, vous savez, il y a genre là c'est un côté où il y a 4, 2 et 2 en face. Et de l'autre côté, c'est 6, 3 et 3 en face. Je vais sur le côté 6, je me mets côté fenêtre. Donc c'est vraiment, enfin c'est pas au milieu quoi. Donc, je me mets vraiment côté fenêtre. Et donc je m'assois et en fait je les vois qui continuaient de marcher, qui continuaient pour monter dans un autre wagon. Je me dis, ah bah trop bien, ils sont là pour moi, moi je suis dans mon petit wagon, ils continuent leur chemin et tout, ils sont dans un autre wagon. Je me dis, trop cool, ok, je me pose plus de questions. Et juste avant que les portes se ferment, je vous jure que c'est vrai, je me dis, c'est pas possible. Je les vois qui font demi-tour, ils montent dans le même wagon que moi. Je me dis, non. Et donc ils montent au même endroit que moi. Ils passent devant moi, je vous rappelle, je suis côté fenêtre, ils passent devant moi comme ça, ils continuent et ils montent les trois marches là et ils vont du côté, vous savez, quand vous rentrez dans un train, vous avez à côté de la porte, ça me fait super mal au ventre de parler de ça, genre ça m'angoisse, c'est un truc de fou. À côté de la porte, vous avez, vous savez, quatre places avec une espèce de vitre là. Vous voyez de quoi je parle. Ils se posent juste là, mais en face de moi. C'est-à-dire que de là où j'étais assise, je les voyais tout au bout, à travers la vitre, qu'ils étaient là. Donc je les vois faire leur vie et tout, je me dis bon, d'accord, voilà. Donc j'essaye de pas trop y prêter attention. Je suis sur mon téléphone, j'écoute de la musique, enfin je fais ma vie quoi. Alors dans le train, il y avait un monsieur de la 50, soixantaine, un couple de pareil et une vieille dame. Le train démarre, nanani nanana. Au bout d'un moment, je vois qu'en fait, je les vois qui bougent et en fait, ils montent. Allez, tout simplement, il bouge dans le train, il monte à l'étage. Donc je me dis, bon bah
ok, vraiment, je sais pas ce qu'ils foutent, mais ils s'en foutent de moi, quoi. Donc j'oublie totalement l'existence de ces mecs. Donc voilà, je continue ma vie. Et là, pour ceux qui connaissent, entre Javel et Versailles, il y a la ville ici, Val-de-Seine. Et donc il y a deux arrêts dans cette ville. Il y a l'arrêt ici et il y a l'arrêt ici, Val-de-Seine, il me semble. Et donc on s'arrête à ici. Et donc moi je descends pas, hein, je ne bouge absolument pas, je sais même pas si je bouge ma tête. Donc j'ai mes écouteurs et là, donc les portes s'ouvrent, les gens sortent, etc. Au moment où les portes se ferment, donc on entend le bip, je suis surprise. En fait, il y a un des deux qui m'attrape le poignet. Donc en fait, à ce poignet-là, j'avais ma montre, mon téléphone dans ma main. Et donc j'avais toujours mes écouteurs avec de la musique. Vous savez, Tomorrowland, c'est pas de la musique douce. Donc de la musique où vraiment j'entendais rien autour de moi. Donc c'était extrêmement spécial. Et donc il m'attrape le poignet. Je comprends pas ce qui se passe à ce moment-là. Vraiment, j'étais sur une autre planète. Il me prend et il me jette par terre. Vous avez les trois sièges en face. Il me jette là, au milieu, comme ça. Et donc moi je comprends pas. Et ça s'est passé, mais comme ça. Quand je vous dis comme ça, c'est en une seconde. Il me jette et donc il me lâche pas le poignet. Quand je vous dis qu'il me serrait le poignet, mais c'était pas possible. Il me serrait le poignet à un point. Je ne pouvais rien faire. Donc j'essayais de me débattre. Évidemment, je ne pouvais pas. Donc il me jette par terre. Il me lâche pas le poignet. Et il commence à me tirer en courant. Donc là, je flippe ma race. En fait, c'est même pas ce que je flippe ma race. C'est que j'essayais juste de me débattre parce que il me prend et donc il me tire dans le wagon. Désolée si j'explique mal, mais en fait, j'ose pas continuer. Et d'ailleurs, je rigole en même temps, mais c'est totalement nerveux, je vous rassure. Ce sourire, j'ai envie de pleurer, donc vous inquiétez pas. Et donc, il me tire dans tout le wagon avec la force de ses bras, juste par mon poignet. Donc, je sais pas si vous voyez la taille de mon poignet, mais je peux vous dire qu'ils sont en carton. Donc, il me tire en fait dans tout le wagon. Et en fait, moi, à ce moment-là, je capte pas, je sais pas du tout ce qui se passe parce que dans ma tête, je suis en mode, il est là pour moi. Genre, il veut me kidnapper en fait. Pour moi, c'était ça parce que je comprenais pas pourquoi tu me tires moi, pourquoi tu me tires en fait, pourquoi tu me voles pas mes affaires et tu t'en vas pas, pourquoi tu me tires. Donc vraiment, il m'a vraiment tiré. Et en fait, quand il me tirait dans le wagon, donc dans le couloir du wagon, tout simplement par terre, il me faisait comme bah, je me débattais et tout. En fait, il y avait mon dos et mes hanches qui tapaient sur tous les sièges. Donc vraiment, enfin, ça me faisait mal et j'ai vraiment trop trop peur. Et donc du coup voilà, pour moi il était là pour moi quoi. Donc et en fait à un moment vous savez il y a les marches pour remonter, il y a genre 2-3 marches quand t'es en bas pour remonter jusqu'à la porte. Et donc bah ça bloquait parce qu'en plus je me débattais. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il m'a arraché mon téléphone. Donc je vous ai pas dit mais au moment où ça sonnait il y avait son pote qui tenait les portes. Vous savez quand vous tenez les portes en fait ce qui se passe au moment où c'est censé fermer, la porte elle essaye juste de se fermer pour que le train puisse repartir. Mais si elle arrive à se fermer elle pourra pas se réouvrir. Donc c'est l'astuce parce que sinon si tu peux appuyer sur le bouton tu peux forcément les rattraper les mecs. Donc du coup c'est pour ça qu'ils font ça à ce moment-là. Et donc à ce moment-là il m'arrache mon téléphone mais en fait je pense qu'il essaye avec sa main de s'agripper sous ma montre pour l'arracher avec. Donc il l'arrache mais elle tombe par terre. Donc il part avec mon téléphone en sachant qu'il y avait donc son pote. Moi mais impossible de me relever, je venais de me prendre 500 sièges dans le dos. Enfin c'était terrible. Donc il passe la porte avec son pote, donc les portes se referment. Évidemment franchement je vous le raconte mais ça s'est passé en 2 secondes et personne n'aurait pu rien faire, très honnêtement, c'est impossible. Mais du coup, je les vois par la fenêtre et en fait, ils marchaient sur le quai. Donc déjà, ils n'avaient pas de masque, en sachant que c'était obligatoire dans les transports. Ils n'avaient pas de masque et ils marchaient sur le quai. Mais quand je vous dis marcher, c'est ils marchaient mais de à l'heure, hein, au ralenti. C'est-à-dire qu'au limite, ils allaient s'asseoir sur le banc, attendre un nouveau train. Ils savaient que j'arriverais pas à sortir du train dans tous les cas. Et donc, et ça fout extrêmement la haine. J'avais le dernier iPhone, donc évidemment, ça saute aux yeux, nanani, nanana. Mais bon, je ne vais pas m'empêcher de vivre parce qu'il y a des connards dans ce monde. Donc, ils m'avaient volé mon téléphone. À ce moment-là, je réalisais pas du tout que j'avais mal. Je réalisais pas du tout les coups. Enfin, à ce moment-là, en fait, c'est super dur de réaliser ce qui s'est passé. Moi, je pensais juste à un truc, bah putain, je me suis fait voler mon téléphone, il est tout neuf et tout. Enfin, j'étais au fond du trou, donc évidemment, je pleurais et rien n'a plus en pouvoir. Je connais juste le numéro de mes parents par cœur, de ma mère, de mon père, en sachant que ma mère est pas très très loin non plus. Mon père il est dans le sud donc c'est plus compliqué, mais ma mère, je me suis dit bon bah j'y vais appeler ma mère et pour dire à Jérémy qu'il vienne me chercher à la gare parce que j'allais pas genre marcher en plus de la gare jusqu'à chez moi en pleurs et tout, enfin c'était impossible. Donc j'appelle ma mère, je lui dis maman appelle Jérémy,
dis-lui de venir me chercher à telle gare parce que je me suis fait voler mon téléphone, c'est la merde, non, non. Donc elle me dit pas de problème. Donc elle appelle Jérémy et moi, donc j'étais au fond du trou, je prends les numéros des personnes. Donc il y a quelqu'un qui avait heureusement un prof, dans, parmi le couple, il y avait un prof avec des stylos, des papiers, tout ce qu'il fallait dans son sac. Donc je note le numéro de toutes les personnes qui étaient témoins parce que bah, il y avait quand même plein de témoins et il y avait notamment la personne que je vous ai dit, l'homme qui avait 50, 60 ans, je pense, bah, qui était là et qui tapait sur les vitres comme un fou et tout, qui essayait de faire quelque chose, ils ont malheureusement rien pu faire. Tout le monde était choqué, mais plus que moi, et sur le moment, je réalisais pas pourquoi. Parce que pour moi, je m'étais juste fait voler mon téléphone. Tout le monde me disait, mais ça va aller, vous voulez qu'on vous emmène à l'hôpital, enfin, vous allez bien et tout. Et donc, moi, je me suis dit, waouh, mais non, genre là, je me suis juste fait voler mon téléphone. Et moi, je réalisais pas du tout ce qui s'était passé. D'ailleurs, j'ai inversé, parce que d'abord, on a appelé la police, et après, j'ai appelé ma mère. Mais du coup, quand on a appelé la police, donc il y a le monsieur qui les a appelés, qui a tout expliqué rapidement pour qu'ils viennent, parce qu'en fait, les mecs, ils étaient sur le quai. Ils sont encore sur le quai, quoi, quand on les appelle. Le train venait juste de partir. Et donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est je suis pas du tout là pour critiquer la police. Pas du tout. Moi, je vous raconte mon expérience. Pas de débat à ce niveau-là. Zéro débat. Je n'en veux pas. Je vous dis juste ce qui s'est passé avec mon histoire. Rien d'autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont pris, ils m'ont demandé au téléphone. J'ai répondu. Et la seule chose qu'ils m'ont dit, c'est ta maman, elle peut venir te chercher. T'habites toute seule. Pardon. Donc, en gros, qu'ils ne se déplaceraient pas. Voilà. Donc, moi, j'étais sur le moment, mais j'en avais rien à faire, j'étais au fond du trou en fait. Donc voilà, mais avec le recul, je me dis vraiment, ils m'ont juste demandé si je rentrais seule. Donc on s'en fout en fait. Ce serait bien de me demander, mais moi j'aimerais beaucoup que vous veniez sur place surtout, parce qu'il y a vraiment des gens, enfin les mecs sont sur le quai quoi, donc arrêtez-les s'il vous plaît, parce que là ils m'ont pas, en fait ils m'ont pas juste volé mon téléphone, on est d'accord. Donc voilà, il s'est rien passé. Donc j'arrive à la gare, et là je commençais à réaliser, vraiment en attendant Jérémy, parce qu'il est arrivé genre une minute plus tard. J'ai réalisé ce qui s'était passé, j'étais en pleurs et du coup je lui ai tout raconté et là je me suis vraiment rendu compte qu'en fait c'était pas juste un vol de téléphone, c'est qu'on m'avait vraiment agressé physiquement. Et là il m'a dit bon bah on va au commissariat, on va porter plainte, donc j'explique tout, on me dit est-ce que t'as mal quelque part, je sais même plus ce que je réponds, je crois que j'avais même pas mal à ce moment, enfin... Je sais même plus, franchement je sais même plus. Donc je raconte tout, je vous avoue que ça a été... Fallait tout raconter, mais c'est-à-dire que franchement le commissariat c'était vraiment pas une expérience incroyable. J'ai dû raconter bah évidemment plein de fois ce qui s'était passé, ce qui est logique. Sauf que bon, il fallait que je dise carrément, vraiment, on m'a demandé je pense 10 fois la même personne dans la même phrase de répéter le nom de la ville. T'avais vraiment pas l'impression qu'on allait faire grand chose pour toi. Enfin je suis d'accord qu'on doit raconter bah plein de fois ce qui s'est passé, mais là c'était vraiment du forcing, c'est-à-dire que bon, t'avais pas l'impression qu'il allait se passer grand chose derrière. Et donc bon, il nous a clairement fait comprendre qu'il n'y aurait pas de suite, que au niveau de ce qui s'était passé physiquement, il fallait que j'aille faire un espèce de compte-rendu du médecin pour signaler les marques, etc. que j'avais sur le corps. Donc bref, j'ai dit ok, vas-y, nanana, et donc on est parti, au bout de longtemps d'ailleurs. Et après, bah, j'étais au fond du trou. Franchement, j'étais au fond du trou, et donc ça s'est pas vraiment arrêté là, enfin... j'étais vraiment choquée de ce qui s'était passé. La raison aussi pour laquelle je vous fais cette vidéo, c'est pour cette partie-là que je vous raconte, c'est le après, parce que après, en fait, c'est un peu spécial dans le sens où moi, en tout cas, je sais que psychologiquement, moi, je suis plutôt quelqu'un qui a tendance à vouloir faire la dure, entre guillemets, ou voilà, non, bah, j'ai pas envie de m'empêcher de vivre, j'ai pas envie, voilà, donc je vais vivre ma vie comme elle était. Mais en fait, au début, c'était impossible et je venais d'emménager. Ça faisait un mois que j'avais emménagé ici. Je ne pouvais pas sortir pendant plusieurs jours. Je ne pouvais pas sortir en fait. Même dans cette ville, Versailles, vous savez que je vis ici parce que je me sens en sécurité et que c'est génial. Enfin, il se passe vraiment pas grand chose. Et donc même ici, dans la ville où on peut sortir à 3h du matin sans se poser de questions, etc. Bah j'arrivais même pas à sortir en journée. Vraiment, je suis restée enfermée pendant plusieurs jours. J'arrivais pas du tout. Carrément, je me souviens quand je devais aller acheter quelque chose ou quoi que ce soit, je laissais mon téléphone chez moi. Dans ma tête, on allait venir me l'arracher. Au début c'était dur et je me suis dit c'est pas possible, je vais rester comme ça pendant longtemps parce que je suis le genre de personne, je suis comme ça pendant un jour, après tout reprend, voilà, ma vie reprend. Mais là pas du tout en fait, ça a duré vraiment quelques jours, j'étais vraiment pas bien, c'était horrible. Et donc à ce moment là j'ai dit à Jérémy, franchement là je vais péter un câble, genre il faut qu'on se casse parce que je vais péter un câble, je veux aller ailleurs. On allait voir de la famille dans le sud, dans une grande maison, donc voilà, et on sortait pas beaucoup, enfin c'était vraiment ce qu'il me fallait en fait, j'avais besoin de me couper du monde. J'appréhendais grave le retour, c'était vraiment l'angoisse pour moi. Je me
suis dit, mais j'y arriverai jamais. Déjà, je me suis dit, plus jamais de ma vie, je prends les transports en commun parce que ça suffit. J'en ai marre. À chaque fois que je prends les transports, il y a quelqu'un qui me fait chier. Vraiment, ça arrive pas. Il y a pas, comme je l'ai dit, il y a pas un jour où ça arrive pas. Ça m'est déjà arrivé de me faire voler mon téléphone 2 fois auparavant. En même temps, c'est sûr, hein, quand tu prends les transports tous les jours, t'as forcément une chance de te faire voler quelque chose ou de faire emmerder. En rentrant, j'ai réussi un petit peu sortir dans le sens où, d'ailleurs, j'ai oublié de vous raconter un truc. Le lendemain de l'agression, j'ai dû retourner à Paris. Je vous raconte ça après. Mais du coup, là, quand je suis rentrée, j'ai réussi à reprendre ma vie. Au fur et à mesure, j'essayais de reprendre un peu ma vie dans le sens où j'allais faire mes cours, j'allais faire ma vie quoi. Je sortais avec mon téléphone, mais impossible de prendre les transports. Sauf que moi, j'ai pas le permis, donc si je prends pas les transports, je ne sors pas de cette ville. Donc c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai pas repris les transports, donc je restais ici. Je ne bougeais pas de la ville, donc c'était un peu chiant. Pour tout vous dire, un an plus tard, ça n'a pas changé. Et je vais vous raconter du coup, parce que là, on est en mars, ça s'est passé en juillet de l'année dernière, comment je le vis maintenant. Mais avant, je vais vous raconter, donc le lendemain, il fallait que je me rachète un téléphone. Donc pour tout vous dire, j'avais une assurance, Dieu merci, et vous savez que je l'avais prise genre 2 semaines avant. Je suis partie racheter un téléphone, j'ai acheté des petites bêtises pour essayer de me consoler. Et en fait, on était donc au Apple d'Opéra pour acheter le téléphone. Et on est allé après au Printemps Haussmann parce que je voulais, voilà, regarder les vêtements, je sais pas, me changer les idées. Et en fait, vraiment, à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça allait pas être facile parce que c'était l'angoisse. Je pleurais, je me rappelle, boulevard Haussmann. J'étais avec Jérémy, je pleurais parce que j'avais peur en fait. J'avais trop peur. Surtout qu'il y a beaucoup de monde. Enfin, là, il y a plus parce que tout est fermé, mais normalement, il y a beaucoup de monde, boulevard Haussmann. Donc, du coup, voilà, j'étais vraiment en angoisse totale, je voulais rentrer et tout, enfin bref, c'était 8 mois plus tard, j'ai fait le calcul, j'ai pas renouvelé mon pass Navigo en septembre, déjà, donc c'est pour vous dire que je prends plus du tout les transports. Je les ai pris 2 ou 3 fois max en 8 mois, seule, non même pas, j'ai pris une seule fois, seule, si je me trompe pas, une seule fois, et c'était il y a pas très longtemps. C'était pas ouf du tout, parce que il y a eu encore des trucs, des mecs et tout, mais bon, comme d'hab. Sinon, j'arrive à les prendre avec Jérémy, parce que bah, je me sens en sécurité avec lui. Et sinon, j'avais tenté avec des copines, et voilà, c'était de la merde, enfin bref. Donc voilà, j'arrive plus en fait, tout simplement. C'est vraiment, j'y arrive pas. Je peux pas parce que en fait je suis angoissée, j'ai les yeux partout, c'est super dur. Et surtout, le plus gros traumatisme que j'ai, c'est que j'ai peur, en fait, j'ai été vraiment prise par surprise. C'est clairement ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a prise par derrière, on m'a attrapé le poignet, j'étais vraiment surprise quoi. Du coup, vraiment la chose qui ressort le plus tous les jours, c'est que j'ai peur dans la rue, peu importe où je suis, alors à Paris encore pire, mais même là chez moi, dans la rue, quand il y a quelqu'un derrière moi, vous pouvez être sûr que je vais faire en sorte de ralentir pour le laisser passer, parce que je veux voir qui est-ce qu'il y a derrière moi, je veux voir si c'est pas quelqu'un qui me suit, et le pire du pire dans tout ça, c'est vraiment le truc le plus chiant, et je m'en rends vraiment compte que ça vient de là, enfin je le sais que ça vient de là, c'est que j'ai peur de tout, c'est-à-dire que je sursaute au moindre bruit, c'est-à-dire que vraiment tu vas toquer à ma porte, comme je suis prise par surprise, je sursaute à la mort et j'ai extrêmement peur quoi. Et ça me fait ça pour tout, et justement dans la rue, ça me le fait énormément, parce que vous savez, bah quand il y a quelqu'un, je sais pas, qui essaie de vous doubler ou j'en sais rien, et bah quand je vous dis que ça me sursaute, c'est-à-dire que ça m'est arrivé 1 million de fois depuis, qu'on me dévisage parce que je suis chelou, juste quelqu'un, je marche et juste quelqu'un qui passe à côté de moi, et genre je fais comme ça, mais je fais exactement ça, hein. Exactement ça, parce que bah en fait j'arrive pas à m'y faire, j'arrive pas, je sais pas, tout me surprend, je suis devenue ultra sensible. Et ça, c'est super chiant. Donc voilà, je fais cette vidéo pour si jamais il vous est déjà arrivé quelque chose dans les transports ou autre, bah que déjà vous avez mon soutien. Que ce soit plus grave, moins grave, on n'est pas là pour dire quoi que ce soit. À partir du moment où ça vous a touché, bah vous êtes totalement légitime d'être mal et de vous sentir mal. Sachez que vraiment de mon côté, je pensais pas que ça allait autant me toucher, me traumatiser sur mon quotidien, parce que c'était il y a longtemps et je pensais pas que ça pouvait rester autant de temps. Je voulais aussi, s'il y a des hommes qui regardent ces vidéos, sachez que j'espère que vous êtes pas comme ça, mais je vous en supplie, arrêtez de venir voir les femmes pour leur parler, pour les faire chier, les mater, les regards insistants, etc. Je vous en supplie, arrêtez, parce que en fait ce que vous comprenez pas, c'est que vous trouvez peut-être ça marrant, vous disiez peut-être oh bah peut-être qu'elle va réagir, mais en fait ce que vous comprenez pas, c'est que nous c'est tous les jours, donc du coup bah vous êtes juste un parmi tant d'autres, donc déjà on vous prend pas au sérieux, et en plus de ça bah nous on en a marre en fait, et franchement c'est vraiment très très lourd quand tu sors et qu'il y a quelqu'un, et surtout vous pensez qu'on vous voit pas, mais en fait on vous voit tous, mais sans exception, c'est à dire que même le petit regard en coin de l'œil, vous essayez de cacher, on le voit en fait, parce que vous rendez pas compte à quel point tous nos sens sont développés quand on est dehors, parce qu'on essaye de se protéger, parce qu'on sait que peut nous arriver plein de choses. Je parle évidemment aux hommes qui sont comme ça, je sais bien que pas tous sont comme ça tout simplement.
Voilà, et puis surtout quand vous êtes en groupe, évidemment, vraiment abstenez-vous parce qu'on vous voit, mais à 10 km. J'ai sûrement oublié de dire plein de choses dans cette vidéo, ça c'est sûr. Sachez que vous n'êtes pas seule, même si vous êtes un homme, parce qu'évidemment, je parle en tant que femme, mais même si vous êtes un homme, évidemment que vous êtes légitime d'être mâle. Sachez qu'il faut en parler, il faut vraiment pas le garder pour vous. Moi, je vous en parle aujourd'hui aussi, c'est un peu ma thérapie parce que ça me fait du bien. Voilà, comme ça, vous savez vraiment ce qui se passe dans ma vie au quotidien et que c'est pas toujours. Manger des burgers et manger des kiwis. N'hésitez pas, si vous avez besoin, donc déjà vous avez les commentaires pour vous exprimer, mais si jamais vous voulez m'envoyer un message, n'hésitez pas, il y a mon Instagram en barre d'infos. Voilà, j'essaierai de répondre. Évidemment, c'est super dur parce qu'il y a plein de messages, on est de plus en plus maintenant. Mais voilà, en tout cas, soutien à toutes les personnes à qui ça a pu arriver, ça ou autre chose, voilà, n'hésitez pas à en parler, c'est le plus important. Donc voilà, je suis contente de vous avoir fait cette vidéo, ça m'enlève un poids de la poitrine. Je vais vous laisser. Je sais pas comment dire au revoir. Je suis censée dire abonnez-vous à ma chaîne. Je sais pas. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé ou vous aura fait ouvrir les yeux. Et puis voilà, je vous aime très très fort. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Bravo.